simplement parce que quand je vois ces beaux tubes colorés, j'ai envie de tous les obtenir. Alors bien sûr, je pourrais peindre avec trois couleurs primaires, mais c'est tellement plus sympa avec des couleurs flashy. Mais aussi parce qu'avec l'acrylique, contrairement à la peinture à l'huile, le séchage est beaucoup plus court, ce qui permet un travail plus rapide, plus moderne, plus enlevé, ce qui me convient très bien. Parce que contrairement à l'aquarelle, les formats sont nettement supérieurs et ça me permet d'avoir du recul, des gestes plus amples, une liberté d'expression qui est vraiment totalement différente de l'aquarelle. Bien sûr, avec l'acrylique, je peux revenir indéfiniment sur mon travail jusqu'à l'aboutissement. Parfois, c'est justement ce qui est dangereux, on ne sait pas trop si c'est terminé ou non, et on va trop loin, ou on ne sait plus si c'est vraiment fini. Donc ça, c'est un peu le piège. L'avantage avec l'acrylique, c'est qu'on peut rectifier, retoucher à loisir un détail sur un tableau. Donc ça, c'est quand même très très confortable. Autre avantage, le format, on peut le choisir très atypique, original, et ça, c'est aussi très appréciable. Principalement autour de moi, lors de voyages, quand le soleil est très présent, bien entendu, et que les ombres s'allongent. Alors, comme j'ai une bonne quarantaine de tableaux de près, oui, j'ai bien l'intention de faire une exposition, mais ça sera pour un autre film.